Vous êtes joueur? N'hésitez pas à vous rendre sur Netbet. 100 euros de free bet offerts sur votre premier pari ainsi qu'une grille VIP jackpot jusqu'à 30 000 euros. N'oubliez pas de préciser mon code promo Cyril. Le lien se trouve dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi et c'est le jour des récompenses. Il y aura de très belles récompenses en Division Rivals avec la Division 3. Et nos récompenses Fut Champion. Mais aujourd'hui, les amis, il y a une Team OZV qui est incroyable. Il y a du Ronaldo, du Kane, du Hazard, du Partey, du Cruz, du Otamendi, il y a McGinn, il y a Donnarumma, il y a aussi, si je dis pas de conneries, Moreno, Onana, bref, énormément de joueurs très intéressants. Mais si je tape un des trois joueurs, les amis, à plus de 90, que ce soit Ronaldo, Kane ou Hazard, je ferai gagner 12 000 points. Voilà, pour une personne. Voilà, 12 000 points pour une personne ou deux. On verra bien. Mais sinon, vous savez très bien que si je tape un 84 rouge minimum, vous lâchez un commentaire et un petit pouce bleu et vous participez pour gagner l'équivalent de 20 euros de points FIFA, Xbox, PSN ou PC en fonction de ce qu'on tape en rouge. Mais si on tape un des trois, c'est 12 000 points FIFA pour vous. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, les amis, sur cette vidéo. À vous abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche de notification et bien sûr, laissez votre petit message dans l'espace commentaire. Allez, on va chercher nos récompenses Division Rivals. On a fait normalement rang 3, enfin rang 2 de la Division 3. L'option 3, c'est 8 packs, si j'ai pas de conneries. Voilà, c'est bien ça. Donc le rang 2 a été validé. 2 packs méga rares, 2 packs prime joueurs à mélanger et 4 packs jumbo premium or. Donc cette option 6 qu'on va choisir. Et l'option 1, c'était 50 000 crédits, donc on verra à peu près en 8 packs si on peut se faire plus ou moins de 50 000 crédits. Ça sent que c'est quand même désavantable, mais c'est pas grave. Moi, je fais beaucoup de SBC. Donc voilà, le rang 2 a été obtenu dans la Division 3 Rivals, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment avec les défis icônes, machin. En D3, il y a des putains d'équipes, et quand tu joues avec de la merde ou des full UCL, c'est la galère. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va chercher, les amis, nos récompenses Fut Champions. Et là, c'est le moment le plus important de cette vidéo. On veut du très, très, très lourd à l'intérieur. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas, les amis, à nous rejoindre sur Discord des pronos. On a repris depuis quelques temps. Ça se passe très bien, les pronos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je rappelle que c'est gratuit. Il faut juste être majeur. Deux conditions, être majeur. Et après, bah, c'est gratuit. Ouhou, truc hyper simple. Donc, on a fait 14-5 ce week-end. On aurait pu faire tellement mieux. Mais voilà, je pense que hors 3, hors 2, hors 1, c'est pareil. Donc, et puis, j'avais pas du tout envie de faire Fut Champion. Donc, 14-5, ça suffit largement pour avoir de bonnes récompenses. On a 2 joueurs rouges, 2 packs méga, 1 pack à 50 000 crédits et 30 000 crédits. Et là, dans les joueurs rouges, il nous faut du lourd. Alors, si on enlève les 3, parce qu'ils sont quand même peut-être accessibles, j'en sais rien. Et bah voilà, moi j'aimerais bien un petit Partey, j'aimerais bien... ouais, pas grand-chose après. Hein. Hormis les 3 gros, ouais, si Cruz tu prends, Donnarumma tu prends, Partey tu prends, Moreno tu prends, Onana pourquoi pas. Mais voilà, après c'est des joueurs qui n'ont pas une grande utilité. Mais bon, il y a quand même 3 énormes joueurs, Ronaldo, Kane et Eden à... Zar, allez, c'est parti, premier des 2 joueurs rouges. Let's go. C'est parti, les amis, allez, allez, allez. C'est pas mal, ça, ouais. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, non, merci, Otamendi, on va le prendre, hein. Au pire, il nous servira pour des SBC. Donc, 85 de jeunes sur Otamendi. C'est déjà pas mal. Les cartes rouges sont pas mal cette année, en tout cas, me concernant, comparé à l'année passée. Et on termine, les amis. Allez, Hazard, Kane ou Ronaldo. Let's go! C'est parti, dernier joueur rouge! Eh ben, c'est nice, hein, le choix a été vite fait. C'est ce que je vous ai dit, il y avait un contraste un peu dans cette équipe de la semaine, il y avait 5-6 joueurs intéressants, et après, moyen, ben, on a eu un bon joueur intéressant. Et les autres moyens, c'est nice, Otamendi, bon après c'est pas mal, Otamendi quand même 85. De jeune, maintenant on a 11 à ouvrir. Pouh, il y a vraiment de quoi faire. On va se régaler, les amis. Et on commence par les 4 packs à 15 000 crédits qui sont bien sûr invendables. Let's go pour le premier pack à 15 000 crédits. On n'a pas d'animation là-dessus. Écoutez, hop, on tourne la page. Et on va skipper. Abraham, meilleur joueur. Ouais.
Quoique 1000 crédits, on prend, hein, ça fait toujours ça. Sachant qu'il fallait récupérer à peu près 50K, hein, si on estimait hein, l'ensemble des packs invendables. Le second, toujours pas d'animation, les packs à 15K. Alors c'est bien les packs à 15K parce qu'ils te remettent un peu de consommables aussi. Forme, style, etc. Mais bon, merde, j'aimerais bien avoir un peu mieux quand même comme joueur. Parce que là, il y a contrat, forme, soin, impost, même pas de style. Ouais, t'attends quand même un peu mieux de ces fameux packs à 15 000 crédits. Qui sont plutôt intéressants à ouvrir. Allez, le troisième, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour espérer avoir un truc? Il y a une option magique, une touche magique, j'en sais rien. Le troisième pack est dégueulasse. Strakosha, Smalling, en doublon, Granit Xhaka. Qu'on vendra, on verra bien s'il partira. Les autres, on discard. On enchaîne sur le dernier pack à 15K. Donc sur les 8 packs, on en a ouvert 4 déjà. Des récompenses clash d'équipe. Et aucune animation pour le moment en 4 packs à 15 000 crédits. C'est un peu juste, c'est un peu juste. Alors des bons petits joueurs, des trucs cool. Mais il nous faudrait un petit truc qui puisse se vendre pas mal. Maintenant, on va enchaîner sur nos packs méga. C'est parti. 2 packs méga, 30 éléments, 18 cartes rares. C'est pas une animation ça. Ouais, non. Putain, c'est dingue. Oh, oh. Qui est pas ça? Qui est pas ça? Iso, Joaquin. Ouais, d'accord. Ah, Tyson qui est pas mal. Ah, mais je suis con, c'est le pack vendable celui-là. Ouais, hop. Eh ben, allez, écoutez, on discarde. Ça, c'est le pack des récompenses. Fut champion, on enchaîne sur le même pack. Allez, le pack méga, on se réveille là-haut. Voilà, première animation, enfin. 86+, parfait. Ah, Onana. Ah ouais, c'était un gardien, du coup c'est un 84+. Bon, Onana, on prend, écoutez, un boost à 84 de gêne. Ça coûte pas très cher, mais c'est souvent utile dans les SBC où il faut, entre guillemets, une note assez élevée. Donc, Onana, je prends à l'heure avec, Arnautovic, Bailey. Voilà, ça c'est un bon petit pack comme on les aime. Onana n'a pas coûté très cher, hein. Ouais, voilà, 12 000 crédits, mais bon, c'est un 84 boost. Donc c'est pas mal, et Shone, on n'en a pas besoin. Maintenant, on va ouvrir les deux packs méga rares. Tiens, c'est des packs invendables. 30 éléments, 30 cartes rares. Seconde animation. Ouais, 83, garantie. Espagnol. Morata, Costa. Diego Costa. On prend. Moi, à chaque pack, les amis, je vois une animation comme ça. Je suis satisfait. C'est le strict minimum à avoir. En plus, c'est du invendable. Est-ce que ça se vend? Ouais. Toi. Non. Et toi. Oui. Hop. Un peu de discard. Tranquillou. Le reste, c'était un doublon invendable. Et on enchaîne sur le dernier pack méga rare. Encore une animation. C'est beau. Pookie. Ouais, Pookie. La carte, elle est vraiment belle. Hein. C'est vrai qu'il y a des magnifiques cartes héros de Pookie. Bon, alors, malheureusement, elle n'est pas assez intéressante, celle-ci, parce qu'il a un SBC à 84 ou 85. Ouh, le petit Rames avec... Eh, hey, ça, c'est un bon pack. Ça, c'est un très bon pack. On a déjà 2 82, 1 85 et une carte héros. Écoutez, on prend un pack joueur et Mathias Perrin. Avec un peu de chance, il se vend. Voilà, parfait. Mais écoutez, c'est un bon... pack, j'aime bien ces packs méga rares, ils sont vraiment très intéressants. On va ouvrir le pack qu'on a eu, un pack de joueurs, dont une carte rare. Pas d'animation, écoutez, on skip direct. Hein, c'est un pack où il y a une carte rare. Quaresma, ok. Maintenant, il nous reste 3 packs, 2 joueurs, pack prime, joueurs mélangés. 12 joueurs, 4 à chaque fois, il y a 6 rares à l'intérieur et on terminera par le pack à 50 000 crédits. Allez, première animation des deux packs. C'est du 83 garantie allemand. Kruse. Bah ouais, Kruse, on l'a eu juste avant. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est encore du invendable. Kruse à 83. Et celui-là, il est invendable. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Malheureusement, on perd à 83. C'est parti pour l'avant. Dernier pack. Et on n'a pas eu grand chose aujourd'hui. Hein. On a envie des bons petits joueurs quand même. Hein. Bonne récompense, 83, un héros, un 85 et tout. Mais si seulement on pourrait avoir un petit peu mieux, c'est parti. Le dernier pack de cette vidéo, le pack à 50 000
Crédit, let's go. Allez, au moins une animation déjà. Ouais, mais Nikoumouk. Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, franchement, là. Pff, abusé, quoi. Abusé. Pack à 54, t'as rien dedans. Rien. Ikamounien. Ah, un petit peu déçu. Hein. J'aurais préféré, espéré avoir nettement mieux. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été extraordinaire. On a eu des bonnes récompenses, des bons petits joueurs, mais voilà, pas oufissime. Pas oufissime. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et votre commentaire, parce qu'il y aura une personne qui sera tirée au sort. Je rappelle qu'on a paqué notre 84 plus un carton rouge. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord des pronos, à lâcher votre commentaire et votre petit pouce bleu sur cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.